Bonjour Stéphane, bienvenue sur Ah, Regard parfait. Libre, nouvel épisode de Regard Libre. Bonjour Pierre-Antoine. Donc aujourd'hui, on va parler des trottinettes et de l'URSSAF. Alors premier sujet, Ah. les trottinettes électriques à Paris qui sont selon certains un fléau. Et donc on voit là dans un article du Figaro que la mairie du 9e souhaite l'arrêt de la circulation des trottinettes électriques, le temps de clarifier les règles de circulation. Voilà, est-ce que tu aurais Bah. quelque chose à dire sur les trottinettes, sachant que oui, c'est un nouveau mode de transport, qu'il y a des personnes qui vont l'utiliser de manière assez risquée, qu'il y a eu plusieurs accidents? Mais je pense que la première question que j'ai envie de poser, c'est en quoi c'est un nouveau mode de transport? Pourquoi, moi je sais pas, moi, le code de la route en général hein, prévoit tout un tas de véhicules, mais un véhicule au bout du compte, c'est un véhicule. Alors, je veux bien qu'il y ait les véhicules à moteur, les voitures, bon, et puis d'autres qui, comme les vélos. Ok, mais prenons les vélos. Je voudrais qu'on m'explique en quoi une trottinette, c'est pas fondamentalement la même chose qu'un vélo. C'est pas un véhicule à moteur, c'est fondamentalement manuel. Enfin, bon, c'est quelque chose qu'on peut imaginer rouler sur le trottoir, ça fait question. Mais si une fois qu'on dit c'est un véhicule, il y a quelqu'un qui le conduit, il est responsable. De cette conduite, il y a un code de la route. Pourquoi on ne dit pas la trottinette, c'est un véhicule comme les autres et le code de la route s'applique de la même façon? Pourquoi on ne parle pas d'un principe comme ça que tout le monde connaît et on ne le dit pas de manière claire? Oui, je pense que le problème, oui, c'est que on ne tranche pas sur le fait de dire est-ce que c'est plutôt un vélo ou une trottinette classique. Parce que le problème des trottinettes électriques, c'est que je pense qu'on tolère que les trottinettes des enfants, là, c'est des trottinettes manuelles, entre guillemets, soient sur les trottoirs, parce que les enfants, en général, sont trop petits pour faire des dommages. Mais les trottinettes électriques, il faudrait, oui, peut-être les assimiler directement à des vélos qui sont soumis au même code Mais tout que à les fait, vélos. j'ai fait moi-même le lapsus, hein, et c'est pas innocent. J'ai parlé de véhicule à moteur, mais je pense que le critère de base il est là. C'est un véhicule à moteur. Les véhicules à moteur, que je sache, roulent sur la route. Bon, qu'on le dise clairement. Et après, tu tombes sur deux autres problèmes, à mon avis. D'abord, l'article parle de clarifier les règles. On est en train d'essayer de le faire. Que la question se pose au début, certainement, mais si le code de la route était clair aussi, en tout cas en disant les véhicules à moteur sur la route, les autres éventuellement sur le trottoir, éventuellement, parce que moi perso j'ai du mal avec les vélos sur le trottoir, hein, mais Ouais, bah oui, c'est pareil. bon. Pourtant, je fais du vélo, mais justement, je ne roule pas sur les trottoirs. Ouais, on roule pas sur les trottoirs parce que la vitesse c'est pas la même que sur un trottoir. Un trottoir c'est fait pour trotter, quoi, enfin, bon, voilà, pour marcher. Donc déjà, si le code de la route était clair, l'ambiguïté ne se poserait pas, et je pense que dans l'absolu, elle ne se pose pas. Mais tu passes après à la deuxième dimension, c'est les flics. D'ailleurs, les gens en général, entre toi et moi, hein, mais les flics, ils ne sont pas là pour faire le code de la route. Enfin, y a pas, on n'a pas, on n'est pas censé avoir des agents de la circulation qui disent, messieurs, stop, vous revenez dans la rue, et sinon, il y a une contravention, machin. Enfin, je sais pas. Je ne suis pas du tout particulièrement Oui, anarchariâtre, ouais. etc. Il y a des règles. On est censé avoir un code de la route de base. Il y a des règles de base du vivre ensemble, notamment en ville où il y a du monde. Il est évident que sur les trottoirs parisiens, les trottinettes, c'était un peu compliqué. On n'est pas censé avoir des flics qui font la circulation. Il y avait une époque où il y avait des flics dans la rue et non pas des CRS qui tapent sur les Ouais. gens samedi après-midi. Ou c'est peut-être que comme c'est pas écrit explicitement dans la loi que le mot trottinette électrique, ils se sentent paralysés. Parce qu'on a souvent des cas comme ça où Ben, je sais c'est pas, le terme véhicule à exact. moteur, Oui, tu oui. vois, enfin. Et puis, si, à supposer que ce soit le cas, c'est si compliqué de ça, de dire, ah, c'est un véhicule à moteur, la règle qui s'applique, c'est celle-là, point. Il y a de quoi faire des machins. Je pense que parfois on se complique l'existence, on fait sur des choses qui sont Oui, pas qui serait compliquées, immédiate. quoi. Ben, il me semble, enfin, je ne sais pas. Donc, chaque fois qu'il va maintenant, parce que si tu veux, on va avoir chaque fois qu'il va y avoir un nouveau modèle de trottinette, il va falloir faire un nouvel article de la loi. Tu Ouais, vois, comme dans les
Tu vois, Les est-ce trottinettes que. nucléaires, il faudra faire. Non, mais c'est vrai, Ouais. le bon sens, punaise. Véhicule à moteur, pas véhicule à moteur. Point. Ben, je ne sais pas. Je suis sans doute un vieux con, hein, mais. Non, mais c'est vrai que enfin, moi je pense que ça devrait être voilà, pareil que les vélos et c'est tout, quoi. On applique la même chose que les Ben, je vélos. crois, oui. Je pense. Je suis Ils plutôt roulent. d'accord avec toi. Ouais. Les trottoirs, c'est fait pour marcher. Ok, Ouais. les gamins, pas de problème. Les gamins, ils vont pas courir. Ils vont rester à des vitesses qui sont ridicules. C'est un problème de vitesse. C'est un Oui. problème de est-ce que les gens ont la capacité sur les trottoirs à nous heurter ou pas. C'est aussi simple que ça. Sur un trottoir à Paris où il y a beaucoup de monde, il est évident que tu ne peux pas rouler en trottinette. Ça me paraît évident. Et d'autre part, il me paraît évident qu'on est censé avoir des agents dans la circulation. Donc, il fut une époque où il y en avait. Ouais. Ok, on va passer maintenant alors à l'URSSAF qui veut taxer les forfaits de ski des saisonniers. Ah, Donc en gros, l'URSSAF. les saisonniers qui aident, qui travaillent dans les stations de ski, bah, on leur fournit, leurs employeurs leur fournissent des forfaits de ski pour bah, faire leur job. Et comme ces saisonniers ont 2 jours de repos, l'URSSAF estime que ces 2 jours de repos, pendant ces 2 jours de repos, le forfait peut être utilisé donc à des fins bah, personnelles, de loisirs, et donc ça doit être considéré comme un avantage en nature. Donc l'URSSAF veut les taxer. Alors, d'abord, il faut profiter d'une telle vidéo pour dire les choses de manière claire. L'URSSAF est une véritable saloperie. Moi, j'ai eu une boîte par le passé, donc j'ai fondu les plombs à cause de l'URSSAF, qui était incapable d'entendre le moindre discours sur la capacité que je pouvais avoir à payer dans le temps, et qui ne réfléchissait absolument pas, et qui a coulé ma boîte alors que j'avais un carnet de commandes plein. Donc, l'URSSAF, si tu veux, Ouais. j'avoue que j'ai un certain passif avec cette entité, mais. Il y a plusieurs niveaux. Le premier, c'est ils espèrent gagner quoi avec ça? Combien de dizaines de milliers d'euros ils ont récupéré à gratouiller comme ça et à emmerder les pauvres saisonniers pour un malheureux avantage en nature qu'ils peuvent avoir et dont on peut discuter? Franchement, ils ont rien. C'est tout ce qu'ils ont imaginé pour pouvoir récupérer. Je pense que l'effort qu'ils mettent en place pour comptabiliser l'avantage en Et son contrôler, ouais, et contrôler, etc., va être au moins du même niveau de dépenses que ce qu'ils vont en récupérer auprès de ces pauvres saisonniers, qui par ailleurs gagnent, au passage, ils gagnent combien? Je ne sais pas combien c'est un forfait. Les 2 jours, ils gagnent quoi? 200 balles, 300 balles sur une saison? Je ne sais pas, mais c'est de cet ordre. ils disent là dans l'article, voilà, hein, sur un forfait à 500 €. L'URSSAF prendrait 142, enfin taxerait donc 142 € dessus. Tu te rends compte, le truc, c'est énorme. Pour le saisonnier, c'est énorme. Ouais, Pour le saisonnier, c'est énorme. Et il y a combien de saisonniers en saison, justement? Ouais, il y a 10 000 saisonniers? Je pense pas. oh, peut-être Donc, les plus. stations? Comment plus? Plus? Je saurais pas te dire, mais là je saurais pas dire. Allez. 50 000. Allez, soyons fous. 50 000. On récupère 140 balles par 50 000. Tu vois, on est au niveau du. Tu crois vraiment qu'ils vont récupérer 1 million d'euros sur ces sommes? Non, je pense, ils vont taxer les 142 € du forfait Ah oui, donc ça qui va sont être en dessous. considérables. Donc ça va être en C'est ça. dessous, peut-être. C'est ça. Donc on est largement en dessous. Allez, on est largement en Ouais, dessous du million. on est en dessous du million, je Allez, on va récupérer 250 000 euros. Ça Pourquoi va ta coûter plus population? cher, même c'est sûr que ça va coûter plus Tu comprends? cher d'avoir quelqu'un qui s'occupe de Tu vois, gérer. je serais curieux de faire le calcul, mais en fait, l'ordre de grandeur, c'est celui-là. Juste le temps, déjà, c'est juste ridicule. Enfin, ils n'ont rien d'autre à récupérer. Et puis, franchement, si l'URSSAF était aussi super que ça, la récupération des cotisations, etc., si c'était un véritable service public, les gens paieraient spontanément. Si les gens ne paient pas spontanément leurs cotisations, ou ont du mal. Si le recouvrement des cotisations est compliqué, c'est que les gens ne voient pas l'intérêt, ne voient pas la valeur fournie. Et ça, c'est, je pense, la vraie question que l'URSSAF doit se poser, comme toute la sécu Ouais, en mais général. ça posera Si les jamais. gens trichent, oui, mais peut-être, mais si les gens trichent, c'est que quelque part, ils ne voient pas l'intérêt de payer. Et c'est ça la vraie question qu'ils devraient se poser. Plutôt que de venir nous emmerder pour récupérer 250 000 balles et de faire les titres de la presse et emmener toutes les professions, parce qu'il y a plein de professions sur lesquelles ce genre de choses se posent, ils devraient d'abord se poser la question de la valeur qu'ils apportent à la société et la reconnaissance que la société leur donne, justement parce que le simple fait qu'il y ait de la fraude.
Il faut oser dire les choses. Le système social est un scandale. Et si les gens fraudent, c'est qu'ils ne font pas son boulot. C'est aussi simple que ça. Ok. Excuse-moi de m'énerver. Non, mais t'as raison. Moi, je suis encore à l'URSSAF, donc je fais attention. Moi, le premier, aussi, pour d'autres raisons. Mais il faut dire les choses. Quand tu vas chez ton boulanger, tu ne viens pas râler auprès de ton boulanger parce qu'il ne fait pas. Si tu n'es pas content de son pain, tu peux lui dire, mais tu en achètes un autre. On n'a pas, pas ce genre de débat. Il n'y a pas de fraude. Tu vois ce que je veux dire? On ne fraude pas. Ou alors, il n'y a que les tordus qui fraudent. Pourquoi? Parce qu'on voit la valeur. Elle est claire. Quelle est la valeur que l'URSSAF nous apporte? Quelle est-elle? Qu'on me la dise. Il n'y en a pas. Sinon, les gens ne frauderaient pas. Les salariés diront que c'est pour l'assurance chômage et ce genre de choses. Mais d'accord. Les entrepreneurs. Mais, y a d'autres... mais certes, bien sûr, évidemment. Mais est-ce que c'est le meilleur rapport qu'il y a Est-ce que c'est le meilleur rapport? Quand tu vois que tu as 50% en gros de ce que, ouais, parce que tu qui viens... part, ouais. Et que tu, par rapport, quand ton employeur touche, te paye 100, tu ne touches qu'au mieux que 50, en gros, tu faudrait qu'on m'explique quelle est la valeur réelle des 50% qu'on perd. Quoi. Et c'est normal qu'il y ait plus de gens qui tentent de frauder pour récupérer un peu de cette valeur qui n'est pas du tout aussi évidente que celle-là. Ben, il faut dire. Ouais. Et en plus, même là, dans notre cas des saisonniers, c'est même pas de la fraude. C'est que, en fait, l'URSSAF va inventer des nouvelles fraudes sur des choses qui ne sont même pas des. Effectivement, c'est l'URSSAF qui voit de la fraude. Ouais. Des fraudes. Tout à fait, tout à fait. Et, alors, si, ça donnera quoi? Ça donnera que les gens vont inventer des forfaits juste la semaine. Différents. Ouais. Etc. Et que les saisonniers sont rémunérés moins cher ou se récupéreront par ailleurs. C'est juste ridicule. C'est toujours des usines à gaz où on prend l'énergie de. C'est une usine à gaz pour récupérer 250 000 balles. C'est juste. Enfin, franchement, pas. Ok. On va s'arrêter là pour l'URSSAF. Merci Stéphane. Je t'en prie. À bientôt.